étranglée, à l'âge de 12 ans, avec mon foulard par une blanche mauricienne qui s'est permis de me traiter de sale noire au moment des faits. Elle est suspendue de l'école parce que j'ai osé remonter l'affaire au directeur de l'école du Nord. Pendant ce temps, je me fais bousculer dans les couloirs, traitée de sale nation par ses aînés pour avoir osé la dénoncer. Je suis un professeur de nationalité française. Ma femme est créole mauricienne. Notre enfant métisse de 2 ans. De 2 ans, reçoit des cailloux en plein visage, lancés par des enfants de 7 et 10 ans et leurs parents blancs mauriciens. Parce que nous avons osé nous asseoir sur un bout de sable qui se trouvait à côté de leur propriété. Les Rottweilers m'attaquent. Je glisse sur les rochers posés par ces blancs mauriciens dans le seul but de m'empêcher de passer. Au lycée, on me bloque l'accès dans le couloir, l'accès à une place au fond du bus, l'accès au premier rang de la salle de classe, jetant mon sac au fond que je leur cède ce qui leur est dû. Une seule chose à dire, Rosa Parks, 1956. Un blanc mauricien avec des antécédents de violence physique, connu pour avoir été exclu plus tard de l'établissement, marche sur mon tapis en me tapant et en insinuant que je dois aller en chercher un autre. Il avait passé 15 minutes de plus au vestiaire, mais c'était à moi de céder ma place. Là encore, je me fais traiter de sale nation pour avoir riposté. Je reçois des bananes en plein visage alors que je mange sans perturber autrui à la cantine au lycée des Mascareignes. Je suis ce blanc mauricien qui jette des bananes pour le fun, alors que je suis des cours d'histoire sur la famine et la lutte des droits civiques des Noirs américains dans les cours d'anglais. Je suis ce créole qui ne connaît pas l'histoire de mes aînés, parce que les professeurs préfèrent relayer les punitions des esclaves au lieu de mettre l'emphase sur les luttes pour les droits civiques à Maurice.